Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Peut-on savoir ce que tu fabriques? Qu'est-ce que c'est? Monstre! Oh, quelle horreur! Il fait très peur, ton dessin, Pocoyo. Ne rigole pas, j'ai failli avoir une attaque, je t'assure. Mais que vas-tu en faire de ce monstre? Tu vas faire peur à d'autres gens. Qui? Oh, regarde, voilà Ellie. Bonjour, Ellie. Ellie, regarde! Un monstre! Ah oui, bien sûr, c'est un monstre avec des pieds bleus. Oui, tu les as remarqués tout de suite. Dites-moi, les enfants, vous trouvez qu'Ellie a l'air d'avoir peur, vous? Non, pas du tout. Et vous avez raison, elle fait semblant. Allons, ne fais pas ta mauvaise tête, Pocoyo. Ton monstre est très effrayant. Je t'assure, il est horrible. Au secours! Au secours! Oh. Monstre! 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 Oh. Là! Monstre! Tu devrais peut-être aller voir, Pato. On ne sait jamais. Si ça se trouve, il y a vraiment un monstre qui rôde par ici. Par! Au secours! Va-t'en, Pato! Pars! C'est difficile de faire peur à Pato, apparemment. Boîte méchante! Allons, allons, Pocoyo! Oh! Oh, pauvre dodo l'oiseau! Oh, c'est vraiment trop bête. La boîte de Pocoyo a atterri sur Dodo l'oiseau. Ellie, Pato! Non, ce n'est pas Pocoyo. Croyez-moi. Non, s'il vous plaît, les enfants, dites-leur. Est-ce que Pocoyo se cache à l'intérieur de cette boîte? Non, Pocoyo n'est pas dans la boîte. Pauvre dodo l'oiseau, tu aimerais bien sortir de cette boîte, je parie. Si tu demandais à tes amis de t'aider, je suis sûr qu'ils accepteraient, mais ils croient que tu es un monstre. Qu'y a-t-il, dodo l'oiseau? Puisque tout le monde pense que tu es un monstre, tu vas te comporter en monstre. Eh bien, ça promet. Tiens, d'où vient cette sonnerie? Oh, c'est le téléphone.
Allô? Pato. Oh, regardez! J'ai l'impression que bébé oiseau a tout compris. Mais oui, bébé oiseau, c'est bien ta maman qui est dans cette boîte. Ah, quand même! Heureusement, il y en a un qui est plus malin que les autres. Pocoyo, Ellie, Pato! Il n'y a pas de raison d'avoir peur! Ce n'est pas un vrai monstre! Soyez gentils, les enfants. Dites-leur qui est dans la boîte. Doudou l'oiseau, c'est Doudou l'oiseau qui est dedans. Alors, vous voyez bien. Vous avez cru que c'était un monstre alors que c'était un oiseau. C'était simplement votre ami Doudou l'oiseau qui vous faisait une blague. Oh, attention. Bonne idée. Vous allez tous jouer au monstre en étant cachés dans des boîtes que vous avez décorées vous-même. Un grand bravo pour nos amis monstres. C'est amusant de se faire des farces. Au revoir et à bientôt. Bonjour Pocoyo. Bonjour Pato. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, une bande dessinée. Oh là là, ils font très peur ces monstres, dites donc. Monstres! Et je vous parie qu'ils font aussi des bruits effrayants. Êtes-vous capable de grogner et de crier comme des monstres? Et vous les enfants? Allez, on va tous faire des cris de monstres. Oui, bravo. Oh, ça faisait drôlement peur, hein. Tiens, d'où vient ce bruit? Oh, une
petite voiture miniature. Oh, je crois que tu l'empêches de passer, Pocoyo. Pousse-toi. Je me demande bien où elle va. Si tu veux mon avis, Pato s'intéresse plus aux monstres qu'aux voitures. Là! Dépêche-toi, cours plus vite, Pocoyo. Ça alors! Une ville miniature. C'est incroyable. On dirait que les immeubles ont été construits avec des cubes. Pato, il faut que tu vois ça. Tu vas adorer! On croirait que vous êtes des géants. À quoi pensez-vous tous les deux? Ah, je vois! Pocoyo sera le monstre singe, et toi, Pato, tu seras l'horrible monstre dragon. Oh, une petite minute, Pocoyo. Oui, ah oui, 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 Pato a raison. C'est lui le monstre dragon. Et toi, tu es le monstre singe. D'accord. Ah, oh. Oh, excellent, Pocoyo. Oh, mais qui est-ce? On dirait des petites créatures. Oh, je crois qu'il ne les a pas vues. Pocoyo ne voit pas les petites créatures qui sont devant lui parce qu'il s'amuse trop à jouer les monstres singes. Mais c'est terrible! Je me trompe peut-être, mais je crois que Pato et Pocoyo leur font peur. Allons, Pato, calme-toi! Non, attends, attends, je... Non! Oh, oh non! S'il te plaît, Pato, ça suffit maintenant! Pato et Pocoyo, arrêtez ce jeu idiot! Oh, cette histoire de monstre est allée beaucoup trop loin! Pato! Pocoyo! Oh, mais c'est horrible! Il y a tellement de bruit qu'ils ne m'entendent même pas! Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi, les enfants! Criez très fort avec moi! Arrêtez! C'est notre seule chance! Vous êtes prêts? Arrêtez! Ça suffit! Pocoyo! Tu vois tous ces immeubles qui sont tombés par terre? Il y a des créatures qui habitent à l'intérieur. Et si tu ne peux pas les voir, c'est parce qu'elles se cachent. Si tu ne me crois pas, regarde dans cet immeuble. Vous voyez? Vous leur avez fait très peur avec vos cris et vos grognements. Amis! Elles ont toujours peur de toi, Pocoyo. Après tout, c'est normal, tu as détruit leur ville. Mets-toi à leur place. Tu dois te faire pardonner. Qu'en pensez-vous, les enfants? Croyez-vous que Pato et Pocoyo devront reconstruire la ville? Oui, ils doivent tout remettre comme avant! Excellente idée! Je suis d'accord avec vous. Ah, et bien comme ça, c'est beaucoup mieux. Revenez, petite créature. N'ayez pas peur de mes amis. Votre ville est comme neuve. Mais où est Pato? Oh, tu leur as construit une aire de jeu pour te faire pardonner. C'est très gentil. Pato, mais c'est toi l'aire de jeu. Ah, c'est plutôt original comme idée.
Un grand bravo pour Pato et pour Pocoyo. C'est important de faire attention aux affaires des autres. Au revoir et à très bientôt. Folles inventions de Pocoyo. Bonjour Pocoyo. Je ne suis pas Pocoyo. Je suis Pocoyo, le super inventeur. Oh, je vois. Tu es un super inventeur. Pocoyo, le super inventeur. Oui, 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 oui. Et tu veux bien nous montrer quelques-unes de tes inventions? Tada! Incroyable! Ça, c'est un super gadget. À quoi sert-il? Ah, d'accord. Ton invention est cassée. Non, attends. Oh, tu nous as apporté une autre invention. À quoi sert-elle? Elle n'est pas terminée. Pocoyo, est-ce que tu aurais d'autres inventions à nous montrer? Peut-être une qui soit terminée ou qui fonctionne? Oh d'accord, je te suis. Oh, c'est incroyable! Mais qu'est-ce que c'est? J'ai compris! C'est une machine à se téléporter. Est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration? Un volontaire? Pato! Formidable! Pato, Pocoyo a inventé cette machine et on aimerait beaucoup la voir fonctionner. On se demandait si tu accepterais de... si tu voulais bien nous aider. Je vois, tu nous as apporté un autre de tes gadgets. Incroyable. C'est une machine à lire dans les pensées. Elle va lire dans les pensées de Pato. Comme ça, on saura s'il a envie de tester ta machine à se téléporter. Pato dit que oui. Je crois qu'on a perdu notre volontaire. Bravo, Ellie. Elle nous a ramené notre volontaire. Oui. C'est très curieux. Normalement, Pato aurait déjà dû réapparaître. Oh non! La machine a attrapé un virus et Pato est coincé à l'intérieur. Il faut absolument le sortir de là. We'll be right back.
Petite chenille, aide-nous à libérer Pato. Dès que Pocoyo nous fait signe, on doit appuyer sur ce gros bouton rouge pour libérer nos amis prisonniers dans la machine. Bien joué, les amis! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Pato. Mais cet univers est immense. On ne le retrouvera jamais. Oh, le voilà! Oh non! Il est poursuivi par le virus! Cours, Pato, cours! Le virus, il a éclaté en 1000 morceaux. Oh non, regardez, il est en train de se reconstituer. Qu'est-ce que tu dis, Pocoyo? Oh, tu as raison. C'est le moment de faire signe à Petite Chenille. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Petite Chenille, tu te rappelles ce que Pocoyo nous a demandé tout à l'heure? Tant mieux. Alors maintenant, appuie sur le bouton. Non, non, concentre-toi, Petite Chenille. C'est vraiment très important. Tu dois appuyer sur le bouton. Non, Petite Chenille, pas celui-là! Tu dois appuyer sur le bouton rouge, celui qui est sous la flèche noire. Non, Petite Chenille, concentre-toi, s'il te plaît! Allez, Petite Chenille, appuie sur le gros bouton, le bouton rouge! Voilà, c'est ça, le rouge! Non, non, Petite Chenille, tu dois appuyer sur le bouton maintenant! Non? Mais, Petite Chenille, nos amis comptent sur nous! On doit les délivrer! Ouf! Il était temps! Oh, quelle aventure palpitante, n'est-ce pas? Oh, le virus! Il est toujours là! Bravo, Pocoyo! Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Fantastique! En route pour de nouvelles aventures, les amis! Regardez, c'est Pocoyo et son ami Lula. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Et bonjour Lula. Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Lula. Thank you.
Oui, c'est un chien en plastique. Oh, regarde, il y a quelque chose sur son dos. S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo et dites-lui comment s'appelle ce petit objet. Une clé! C'est une clé! Absolument! C'est une clé! Ce doit être un jouet mécanique que l'on doit remonter. C'est ça, Pocoyo. Tu dois tourner la clé plusieurs fois, comme ceci. Continue, c'est très bien. Parfait. Maintenant, repose le chien par terre. Oh, regarde-moi ça. Il peut aussi aboyer. Il est parfait, ce toutou. Oh, toutou. Oh. Oh. Pocoyo, Lula a très envie de jouer avec toi, elle aussi. À mon avis, il a besoin d'être remonté. Un saut périlleux, mais il est formidable, ce jouet. Oh, regarde, Lula aussi est capable de faire des acrobaties. Bravo, Lula. Je ne savais pas que tu sautais si haut. C'est rien. Ne sois pas trop triste, Lula. Pocoyo, tu n'as peut-être pas remarqué, mais l'une de tes amies est très triste. Soyez gentils, les enfants. Dites à Pocoyo qui se sent triste et n'a plus le cœur à s'amuser. C'est Lula qui est triste. Pauvre Lula. C'est normal, tu n'avais Dieu que pour ton nouveau jouet et je crois qu'elle s'est sentie un peu abandonnée, la pauvre. Lula? Lula? Tu veux jouer? Ah oui, j'aime mieux ça. Ne t'inquiète pas, Lula. Pocoyo t'aime plus que son jouet. Je le sais. Fais-moi confiance, il me l'a dit. Vous avez l'air de vous amuser, tous les trois. Et parfois, il faut juste faire attention aux animaux et aux gens qui vous entourent pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. De cette façon, tout le monde est heureux. Un grand bravo pour Pocoyo! Et un autre pour Lula! Au revoir et à très bientôt! Thank you.
Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh, des tubes. Tu as raison, c'est une belle journée pour construire des tours. Oh, regarde, il y en a d'autres ici. Tu as vu ça? Ah, pardon, j'ai dû me tromper. Ah, cette fois-ci, je suis certain d'avoir vu quelque chose. Oh. S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo ce qui s'est passé quand il s'est mis à chantonner? Les cubes ont bougé. Ça alors, regardez-moi ça, c'est incroyable. Si tu veux mon avis, Pocoyo, ce ne sont pas des cubes comme les autres. Je n'avais jamais vu ça. Pas de doute, ils adorent la musique. Ces cubes doivent être magiques. Je ne vois pas d'autre explication à ce phénomène. Dès que l'on arrête de faire du bruit, ils cessent tout de suite de bouger. Oh, ça, c'est une excellente idée. On va voir comment ils réagissent quand on leur fait écouter toutes sortes de musiques différentes. Du rock, chouette, j'adore. Jazz maintenant, c'est ma musique préférée. Oh, de la musique classique, c'est très impressionnant comme son. Pocoyo, pardon de te déranger, mais Pato est... Bon, tant pis. Pocoyo, tu veux bien aider Pato à redescendre? Il est coincé en haut des cubes musicaux. Pocoyo, es-tu sûr que c'est la meilleure chose à faire? C'est important, Pocoyo. Tu te rappelles ce qui se passe quand la musique s'arrête? Vous pouvez l'aider, les enfants. Vous vous rappelez ce qui arrive quand quelqu'un arrête la musique? Les cubes tombent! Ils vont tous tomber! Eh oui, et si les cubes tombent? Pato tombera avec eux. Pocoyo réfléchit. Comment faire pour aller là-haut et sauver Pato? Mais oui, bien sûr. Heureusement qu'on a l'aéroballon. Bravo, Pocoyo. Thank you.
parler d'une aventure. C'était formidable. La musique, ça peut vous faire vivre de grands moments. La preuve. Un grand bravo pour la musique. Et un autre pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à... Oh, ça c'est très étrange. En tout cas, la couleur est vraiment très jolie. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo de quelle couleur est ce cube. Exactement, il est rouge. Oh là, ça ne va pas être très facile de l'attraper. Ah oui, je t'avais dit que ce serait difficile. Si ça se trouve, il a juste envie de s'amuser avec toi. Allons, calme-toi, Pocoyo. Ça ne sert à rien de te mettre en colère. Oui, je comprends que tu sois énervé. Seulement... Oh! Il vient de parler, non? Mais oui, il parle. Peut-être que quelqu'un devrait lui répondre. Toi, Pocoyo? Et maintenant, c'est à toi, Pato. Ça ne m'a pas l'air de marcher avec toi. Ah, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Ça alors, mais où va-t-il? Ne croyez-vous pas qu'il reviendra si on crie tous en même temps « Où es-tu ?» D'accord, vous êtes prêts? Où es-tu? Allez, encore une fois. Où es-tu? Nous pouvons faire mieux, n'est-ce pas, Pocoyo? Plus fort! On recommence. Où es-tu? Oui, ça a marché, bravo. Il est juste à côté. Ton nouvel ami est un petit farceur. Vous devriez bien vous entendre. Oh, voilà un autre nouvel ami. Et en voici encore un autre. Combien y a-t-il de formes devant vous? On va compter ensemble. Une, deux et trois.
Bonjour, Ellie. J'ai l'impression que ton nouvel ami a quelque chose d'important à te dire. N'ai-je pas raison? Ah, il a vu Ellie danser et ça lui a donné une idée. Tiens, je me demande ce qu'ils sont en train de se raconter. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous prépare une petite surprise. Youpi, 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 youpi. Formidable! Oh, quelle jolie musique! J'ai adoré! Un grand bravo pour Pocoyo! Et un grand bravo pour ses nouveaux amis chanteurs! Au revoir! Et à très bientôt! D'où vient ce bruit? Oh, nous avons un visiteur qui vient de l'espace! Ce serait gentil si on lui disait bonjour! Vous êtes prêts? Allez, on y va! Bonjour, Martien! Oh là là! Oh, j'ai l'impression qu'il est timide! Calme-toi, tout va bien! Tu n'as que des amis ici, petit Martien vert! Bienvenue sur notre planète! C'est la première fois que tu viens? Dans ce cas, je vais te présenter quelques-uns de nos amis. Et, au fait, tu viens ici en paix, n'est-ce pas? Je suis sûr que nos amis vont beaucoup te plaire, tu vas voir. Youpi! Tiens, qui va là? Oh, c'est Pocoyo. Oh non, 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 attends, Pocoyo! Pocoyo! Bonjour! J'aimerais te présenter quelqu'un. Non, non, il est au-dessus de toi. Oui, je sais, notre ami est assez timide. Alors il va falloir être très gentil avec lui. Oui, c'est mieux. Oui! Pocoyo, attention, sois gentil. Oh, s'il vous plaît, les enfants, vous savez qui crie comme ça? Oh zut, son chapeau est encore tombé sur ses yeux. Pato! Pato! Tu vas arrêter, oui? Tu fais peur à notre nouvel ami. Attention! Oh là, il a failli marcher dessus. Mais où est passé le petit Martien? Oh, te voilà. Écoute, je tiens à te faire des excuses. Pato n'est pas comme ça d'habitude. On va te présenter Ellie. Ellie! Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Elle est vraiment très gentille. Oh zut! Oh là là, je ne peux pas empêcher l'accident. Et je... Oh. Oh non. Oh, je suis vraiment désolé.
mon jeune ami. Ne pas peur. Regarde, Ellie et Pato sont là. Tu vois, ils ne sont pas méchants. Les enfants, vous ne croyez pas que Pocoyo et le Martien devraient aller dire bonjour à Ellie et à Pato? Si, allez leur dire bonjour. Oh là là! Dommage, ça ne s'est pas passé comme nous l'avions imaginé. Ce n'est pas grave, tu leur as fait peur, c'est tout. Ah, ils reviennent. Les amis, je voudrais vous présenter un nouveau venu. C'est un martien vert. Eh oui, il vient de l'espace. Vous voyez, j'étais sûr que vous alliez l'adorer. Il suffisait juste d'apprendre à le connaître. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh, ce sont sûrement ses parents. Je pense qu'ils sont venus pour ramener leur fils à la maison. Votre garçon est vraiment adorable. On s'est beaucoup amusé avec lui, Madame la Martienne. Et... Ah, pardon. Vous êtes un monsieur. Oui, pardon. Oh, zut! Nos amis sont sur le point de partir et Pocoyo et Ellie ne sont pas là pour dire au revoir à leurs nouveaux copains. Attention, ils vont s'en aller. Oh, comme c'est dommage. Vous avez vu? Oh, regardez, c'est Ellie et Pocoyo. Ils sont venus leur dire au revoir. Vous savez quoi, les enfants? On va leur dire au revoir tous ensemble. Au revoir, les Martiens! Un grand bravo pour nos nouveaux amis. Au revoir! Et revenez vite nous voir! Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Elle te plaît l'histoire que tu lis? Oh! Qu'est-ce que c'est? On dirait un jouet avec un étrange bouton sur le dessus. Oh! Tu as vu ça? L'arbre a disparu. Oh, le revoilà! Il est extraordinaire, ce jouet! Oh. Regardez les enfants! Pocoyo est assis sur une balançoire qui est invisible. Une voiture invisible! Alors ça, c'est amusant! C'est... Oh là, oh. Oui, je suis d'accord, c'est sympa. Oh là là. Bonjour. En tout cas, ça a l'air de beaucoup t'amuser. Montrez à Ellie. Excellente idée. Allez. Coucou, Ellie. Pocoyo aimerait te montrer quelque chose de formidable. Ah, ah, tu es occupée à prendre le thé avec ta poupée. Montrez à Pato. Pato, Pato, regarde, Pato. Oh, 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 oh. Pato, pas gentil. Ami,
méchant. Ah, tu as une idée. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pocoyo, tu es invisible. Ce jouet est capable de te rendre invisible toi aussi. Oh là là. Non, Ellie, ce n'est pas ta poupée. Dites à Ellie qui a mangé son sandwich. Vous voulez bien? C'est Pocoyo. Pocoyo a mangé ton sandwich. Ah, elle ne nous croit pas. Coucou. C'est toi qui te promènes sur la trottinette, Pocoyo? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato qui a volé son arrosoir. Pocoyo. C'est Pocoyo qui s'amuse avec. Pato croit que c'est Ellie la voleuse. Allons, Pocoyo, tu as causé assez de soucis comme ça, tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'il mijote encore? Allons, Ellie, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Fais-moi confiance. Soyez gentils, les enfants. Expliquez à Pocoyo pourquoi Ellie et Pato n'ont plus peur. Ils peuvent te voir. Ellie et Pato, essayez de comprendre. Pocoyo s'amusait avec son nouveau jouet. Et d'ailleurs, il a bien essayé de jouer avec vous, mais vous étiez tous les deux trop occupés. Qui est-il, Ellie? Ah, tu as une idée. Tu nous proposes un nouveau jeu. Et ça consiste en quoi? Ah, d'accord. Ah, oh, c'est vraiment, oui, très bizarre. Mais c'est aussi très amusant. Un grand bravo pour ce jeu. Et un autre grand bravo pour nos petits amis. Au revoir. À très bientôt. Le retour du Martien Grognon. Tiens, bonjour, Martien Grognon. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Je suppose que tu vas rendre visite à des amis. Ah, je vois. Tu veux conquérir le monde. Encore une fois, et comment vas-tu t'y prendre? Tu as un plan au moins? Ah, désolé, je n'ai rien compris. Ah, tu as inventé une télécommande qui te permet d'échanger ton esprit avec celui de quelqu'un d'autre. Comme ça, tu peux lui jouer des sales tours et gâcher ses jeux et sa journée. C'est ça ton plan pour prendre le contrôle de la planète et dominer le monde? Eh bien, je ne trouve pas ça très gentil. Ha ha ha!
Bonjour. Oh, mais ta télécommande fonctionne. Ce n'est plus Pocoyo, c'est le martien grognon, c'est ça. Oh là là. Bravo, Patou. Tu as peint un très joli tableau. Oui, merci. Le tableau de Patou est mille fois mieux comme ça. Oui. Oh, oh, Pocoyo, petite chenille te prend pour le martien grognon et j'ai l'impression que tu lui plais beaucoup. Je suis désolé, petite chenille, mais ce n'est pas le martien grognon. Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas le martien grognon, c'est Pocoyo. On dirait qu'Ellie est captivée par son livre. Bien joué, Martien. Ellie ne s'était jamais balancée aussi haut. Décidément, tu es très gentil pour un Martien grognon. Oh, j'ai compris. Tu veux récupérer ton corps, c'est bien ça, Pocoyo? Assez. Tu veux arranger la situation? Ouf, j'espérais que tu dirais ça. Bien. Si on y réfléchit, tu as vraiment conquis le monde puisque tu as résolu tous les problèmes. Eh bien, c'est merveilleux. Il faut absolument fêter ça. La danse des puces. Bonjour, Pocoyo. Bonjour, Nina. Oh, excuse-moi, Lula. Bonjour à toi aussi.
non, Pocoyo. Lula n'est pas en train de danser. Elle se gratte. Mais pourquoi se gratte-t-elle? Ah, Nina, tu sais quel est le problème de Lula? Oh, oh, je vois. Tu as des puces, Lula. C'est pour ça que tu te grattes. Ma pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Sont en train de faire la fête. Elle danse. C'est ce qui donne envie à Lula de se gratter. Ça la démange tellement qu'elle est obligée de se gratter. Bravo, Nina! Maintenant, les puces font un massage relaxant à Lula au lieu de lui donner envie de se gratter. Vous avez réussi, les amis. Tout le monde a eu droit à un massage et les puces peuvent continuer à danser autant qu'elles veulent.